Qu'est-ce que c'est, dis-moi? C'est une Peugeot. C'est une 103. Peugeot 103. Regarde. Regarde l'année. 71. En moyenne de vitesse de croisière, 45 km/h. Faut pas être pressé. Tu vois, il fait beau, tu profites. C'est ça. A couple of months ago, we asked our carpenters to create a range of cupboards inspired by the existing 19th century cupboards on the opposite side of the room. After weeks of work, we are excited to see if they manage to reproduce them faithfully and if they really look like they've been there forever. Oui. T'es prêt? T'es sûr? T'es sûr que ah t'es... Ah oui, je suis prêt. Ouais. T'es sûr, hein? Ouais, c'est ça. C'est fragile, non? Ouais, très. Wow. Ouh là là. Ah ouais. You see the even the you know the la plate-bande ça s'appelle? Plate-bande. You see the little shape. C'est marrant quand tu regardes, c'est un peu tordu, tu vois? C'est normal. Ouais. Comme toi. En retour de vacances. Ah. No, I'm a four. Five. It's just what you don't hit anything. Mais dis donc, les vacances t'ont fait du bien, toi. Easy, easy peasy. Tu t'es sali? Un petit peu. Oh mince. Alors, tu es sur compte là? Non, attends, ouais. on est filmé. Non, on est filmé, arrête tes conneries. On va bien voir. Vous avez eu des doutes? Non, mais c'est tellement impressionnant dans l'atelier. Qui vous a dit, c'est pas. 95,5, on est pas mal. Pas mal? Pas mal, c'est pas bon. Hein. Pas mal, c'est. Ah, tu voulais bien? Je voulais bien, ouais. Ah, on recommence. Acte 2. Acte 2, c'est ce que je veux dire. 4 mm plus petit. Oh là là. Parce que tu avais un supplément de 25% sur 5000. À 2,96 on est en supplément. Ça c'est la réponse de commerçant. C'est. Waouh. Ah c'est beau. C'est juste la moulure qui est un peu plus petite. On va pouvoir attaquer le meuble, attaquer la déco. Oui. Non. I'm measuring the marble. That's the marble. That's the marble. Ouais, that's the marble. Donc c'est 19,3 mm. 19 cm et 3 mm. T'es sûr de toi? Non. C'est 13, évidemment, c'est 13. On fera 13,5 alors. Non, 13,5. J'aime pas le 13. Oui, 13,5. Ouais. Parce que Benoît, il ne fait jamais anything that measures 13 cm parce qu'il pense que c'est un bad luck number. 13, j'aime pas le 13. Ouais. Et en plus, ça te rappelle des parties de ton corps dont tu n'es pas particulièrement fier. Mm-hmm. 13 cm. Ouais. Ouais. Carrelage ici, là, non? Mais non, c'est des toilettes, il n'y a pas de carrelage, on n'est pas à Portugal. Il faut du carrelage partout Oui, oui. Blanc et bleu. Ou des ajoulettes. Des ajoulettes. Des ajoulettes. Yeah. So he said we're missing the baguette here. It needs a baguette. Yeah. So in every French cupboard has a little baguette. It's also the name for a little stick, baguette in France, in French. Baguette, because baguette in French means stick. Yeah. Il y a quand même un problème. Non. T'as vu, avec ça, ça ne s'ouvre plus. Ça met, mais là. Ah oui, il y en a un problème, Benoît. Ouais, regarde. Il y a une couille dans le potage. Regarde. Non, Philippe, tu me crois pas aussi intelligent que ça, quand même? Vous êtes confiant que ça va pas se tordre? Non, le temps. Ah, c'est une garantie de 2 semaines. 2 semaines. On fait la pause. On voit que c'est bien et après on se tire. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais comme ça, ils vont prendre température, là, c'est bien. Donc j'installe ça. Tu mets ça demain, en place. Ou cet après-midi. Non, aujourd'hui. Oui. Et nous, demain, on revient. Pour vérifier. Non, pour remettre en place. Ah oui. Oui.
C'est pénible, le bruit. Ah bon? Ouais. Bon, faut vraiment... Moi, je dis toujours, c'est si on se trompe des mesures, l'important, c'est que tu puisses les rattraper. Ce qu'il fait. Ouais, on peut dire ça, mais on s'est pas trompé. Mais... c'est qu'on l'a fait volontairement. Oui, parce que c'était vraiment plaisant de l'entendre dans cette machine ouais. Pendant 2 heures. C'est histoire hein. De dire, voilà, t'as vu, j'ai travaillé. Alors tu fais quoi Benoît avec Raphaël, explique. J'ai triqué la plainte. Parce que ton plancher il est en train de. Il est en train de faire ça. Mm-hmm. Donc on va rattraper. On va rattraper toute cette pente là. Ok. Mais c'est avec le compas de Vincent, hein. Ouais. Ouais, non, c'est très beau. Celui-ci est ajusté. C'est dit qu'il y avait une boulette. Ah bah non, j'ai pas, attends, je vais pas monter. Ah oui, vous me dites pas. Et pourquoi vous faites en 1000 morceaux le truc, alors qu'il t'a un truc, t'a une longue. C'est là la boulette. Elle est là la boulette. C'est là la boulette. Alors, elle n'était pas toute, sur toute la longueur. Normalement, j'aurais dû venir avec, avec la grande. Oui. De là à là. Oui. Sauf. Sauf que j'ai coupé. Allez, il manquait quoi 3 cm. Elle est trop courte que d'un côté. Ah oui, il était trop courte. Oui, elle est déjà trop courte que d'un côté. Ah oui. Alors déjà, c'est énorme. Oui, tu as travaillé trop longtemps avec moi, je pense. Oui, c'était une mauvaise fréquentation. Mais je la garderai quand même. Pourquoi tu m'as pas filmé quand c'était le tout petit là-bas? J'ai l'air le tout petit, il a été du premier coup. Regarde ce qu'il est en train de faire là-bas. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, hop, hop. Ah, non. Je suis encore un peu trop long. Ah ouais, il y a un peu de jeu là. Ouais. Ouais. C'est le beau qui a dû prendre du gauche. Hein. Non, là, pour tant que ça. Bon, je pense que je vais arrêter de filmer parce que ça porte ma chance, j'ai l'impression. Depuis que je suis là, il y a que des bourdes, donc il y a des erreurs. C'est pas que l'effet que tu filmes qu'il y a de la chance. C'est quand t'es dans la pièce. Now, in between being mocked by our carpenter and working on an urgent garden project, I take a moment for something very important, and that's learning the Swedish language. Why do you want to learn Swedish, you ask? Don't you already have a beautiful blonde wife? I do, and I love her very much. But Sweden is also the country where they produce one of the most stunning sailboats in Europe. And there might be a summer adventure coming up where speaking that language could be of great value. And thus, we couldn't have partnered with any better company for this week's advertisement than Babbel, one of the top language learning apps in the world. Kommer du från Sverige? Kommer du från Sverige? Ah. Good. Summer is around the corner, and if you plan to travel this year, I'm sure you're already thinking about your trip. Now, imagine being able to have a real conversation with locals, understanding the menu in a restaurant, being able to express your admiration for a specific 39-foot sailboat from 2007, which would be the perfect platform for your family journey, despite the fact that your wife is not 100% convinced yet. Doing all this in the local language will turn every voyage into the experience of a lifetime. Vad heter hon? Vad heter hon? Vi är redo att köpa detta segelbåt. What does that mean? It means my wife is as beautiful as a rose. Oh. Yeah, you're welcome.
Babbel's language lessons are designed by real language teachers, and it's scientifically proven to help you start speaking a new language in 3 weeks. It teaches real-world conversations related to travel, business, relationships, and other topics. And if you want to try it, there's no risk involved, as they offer a 20-day money-back guarantee. And on top of this, 2 free live classes with your subscription. With this link here, you can also click on it in the description of this video. You get 60% off your subscription. I think that's an amazing offer. And let me know in the comments if there was one language you could learn in 3 weeks. Which one would it be? Benoit made fun of my outfit, but what it really is, he's jealous because whatever I wear, I still look incredibly attractive. I know it, you know it, he knows it. Today's garden project is to sort out the well. This little house, underneath this little house, there's a well. You've seen it in the video, in a previous video that not so many people watched, and I'm a bit disappointed because it's a good video. You should watch it. I'm going to put the link up here. So please, after you watch the other one, it's really good. I explored the well. It's very deep. It's very adventurous, but it doesn't look good from outside right now. People see it when they come in. It's like a status feature of this property. People come in and they have to see, wow, these people have a well. They must be well off. Just made that up now, it's stupid, I know. Anyway, it doesn't look so well, so I thought I can as well make it look better. It's a mess. I'm talking about the mess around. You see these plants, there's no definition where the border is and where the grass is. That has to be well defined. Look at these, the camellias that I planted a couple of years ago. Aren't they pretty? So first things first, I need to sort out the situation here. Need to go inside. Does it really look so bad? I think it's okay. The zipper's broken, but apart from that, it's still a good jacket. Why would I not wear it? As you can see, I just took my jacket off. Now I'm just wearing my, I think it's called dungarees. Normally I don't do this on camera because it triggers too much female fan messages. I get emails, I get letters, some even send me pictures, real pictures. I like it, but my wife doesn't. But it's warm, it's getting warm. I don't have a choice. C'est un gabarit de perçage. Excellent. Pour tous les diamètres. Parce que le problème des vieilles fiches, c'est que ça fait 3 mm. Oui. Donc les mèches de défonceuse, elles font. Tu peux en avoir en 3 mm, mais tu peux en tailler que 1,5 cm en profondeur. Et pourquoi il n'y a pas de mèche plus longue? Parce qu'elle casse en fait. Ça casserait. Oui. Plus c'est long, plus c'est fragile, surtout au diamètre 3. Ça dépasse un peu, regarde. Ouais, bah attends, mettez-le entre deux. Un petit coup de marteau. Ici.
Alors, so the issue is this with this system is that you can't really adjust them like modern hinges. You have to put them in and you have to hope for the best, or maybe you just prepare it in a good way. C'est pour ça que c'est moi qui le fais, pas toi. Merci, merci Vincent. Aimable comme toujours. C'est pour Anna. Ah, c'est pour Anna, ouais, d'accord. Et ici, dans la cour des grands. Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Les gars, tu peux pas recadrer. Ah, mais il y a rien ici. Il n'y a pas de changement. Je t'embête, là. C'est sûr, il est. Dans la famille, le chiant, t'es pas mal placé, toi, dis donc. On va vous rappeler ta petite femme. Benoît est juste tracing the lines for the moldings, and then we have to decide if you like it. Est-ce que tu sais c'est quoi une tache jaune qui traverse une route? Une tache jaune qui traverse une route? Ouais. Non. C'est un poussin qui traverse la route. Ah, c'est un poussin qui traverse la route. Ah oui. T'es sûr qu'elle est comme ça là? Oui. Une tache jaune qui traverse la route, c'est quoi? Un poussin qui traverse la route. No comment. J'ai besoin de toi. Ouais. Et ici, tu es moulu. Super. Donc là, j'ai prévu un grand cadre en bas. Ok, super. Je ne demande pas Philippe parce qu'il a aucun goût. Ah, t'es là. Oui, j'entends bien, j'ai rien entendu. We're just trying to figure out the placement for the moldings that Benoit's going to put on the walls. And he's traced out some ideas. So one idea is that we have a really big mirror here, because you can see the molding goes right up to the top and that would be completely filled with mirror. So I was thinking perhaps to have a smaller mirror and then have another small molding above it. But then that would mean that on this side, we'd either have to do the same and I think that would look strange, or we would have different things. I always wanted one big mirror. I think it's good. It's gonna look good. Yeah, and I actually think perhaps it's a small bathroom. It's gonna probably bring in more light and... It's a feature. It's gonna be a feature. Yeah. So maybe we should go with the massive mirror. Thank you for coming back to what I always said. Yeah. T'es pas d'accord? Non, mais moi je vois pas le miroir éclairé à fond, mais après ça c'est autre chose. Hein. Right. So very much just throwing the option, the alternative option, yeah, with a smaller mirror. Right. Maybe actually. It's too many blocks up there for my taste. Really? Ouais. Après, vu les hauteurs, je trouve ça joli d'avoir des petits cadres. Ça donne encore plus de hauteur. Ton miroir jusqu'au plafond. Les trous de Philippe qui sont foirés, on va les voir. Hein. C'est Benoît qui m'a appris tout ça. Non, on va faire ça alors. Yeah, okay, understood. Do what you want. Mais Philippe, on t'aime bien, hein? T'as des bonnes idées de temps en temps. Okay, this is the last load of wood chips, and right now it doesn't look like much, but I will bring you back here in about a month or a month and a half, and then you will see all these geraniums growing and covering this whole area, and it's going to be beautiful. So that's how it looked before, and now, ta-da! Okay, that was quite a lot of work, but I'm happy how the well looks now. I think it's rather well done, and I think doing this was also quite good for my well-being. Well done. Ooh la la! Ooh la la la! Ooh la la! Pas mal. Pas mal. Le vieux, il est où?
crois qu'il s'est barré. Il s'est barré. Tu travailles pas, Benoît? Non, je travaille pas. Ok. Non, depuis ce matin. Et tu te rends compte que depuis ce matin, on m'a même pas offert un café. C'est pas vrai. C'est lamentable. Et dis-moi, est-ce que tu voudrais un café, par exemple? Ah bah, écoute, là maintenant que tu me le proposes, je dirais bien oui. Ah bah, avec grand plaisir. Ça me fait toujours plaisir de sympa avec toi. Attention, ils arrivent. Ah! Ah! Waouh! C'est beau! Oh là là! Waouh! Génial! Ah, tu as même mis les petites baguettes. Ah oui, il y a des baguettes. I think we have enough storage now here for an entire family. I mean, our entire family, for sure. Like, we don't have that many clothes, but it's amazing. I love it. And it looks amazing with the other wall in there. It works really well. Wow. Tu sais ce que je vais faire ce soir? Je vais arroser ça. Arroser ça? Ouais, je vais me faire un petit jet squat pour ce soir. Donc demain, on enlèvera les câbles, hein. Je laisse pas ça. Hein. Je jure, oui. Je les enlève. Hein, c'est intéressant, c'est très art moderne. Voilà. The doors are back on. Yes. Look, this door hasn't even been here. It was a wall. Do you remember? That's true. This was a wall. This was from over there, wasn't it? Yes. The other side. Yes. Oh. Ah, là, non. Tu vois, c'est quand même beaucoup plus joli de faire un cadre pour le, oui. Pour le miroir. Do you like the doors, Philip? I love them. Break on through to the other side. What? Forget it, people are strange. What?